putain, c'est une arme de destruction, j'ai envie de dire. Hein. C'est un des Il avait pas de micro. Ça arrive. Ah bah bravo, ça avait pas de micro, vraiment. On disait que il va s'en prendre plein la gueule. Donc c'est-à-dire que depuis avant, on parle dans le vide. Ah, c'est pas grave, hein, après. Ah, l'aspirateur, le classique. Le up smash, bien entendu, bien joué de la part de Zeno qui prend la première stock face à un Tundi. Terminé. Un Tundi qui pour l'instant essaie de trouver les kills. Ça peut être assez compliqué. Parce que... ça, je savais pas que, ça, que le Nier ne gagnait pas, enfin ne passait pas le. Oh, tilt. Le Spike qui sera tombé. Le Spike qui a failli Spike, mais malheureusement, il n'y aura pas de follow-up. Pas dans le monde. Mais 140%, c'est quand même pas mal. Attention. Après, il faut que justement Tundi réussisse à voler la stock avant que ce soit trop tard. Enfin, avant que Zeno continue de creuser l'écart. C'est ça. Ouh, bien vite, malheureusement, les backers. Le connecteur n'aura pas comme il veut, mais là, ça va connecter. Ça va connecter, bien joué. Après 3 backers, il faut bien que ça connecte. Ah, je crois qu'il faisait un breakdown pour pouvoir enchaîner avec un tilt. Ouais, sûrement, oui. C'est dommage. Et à chaque fois, c'était Tech, justement, par Zeno, qui a très bien joué sur ses points. En effet, donc là, actuellement, on a quand même Zeden qui a une petite avance, mais il faut pas oublier que. Les deux Yoshi, cas, ça peut vite. Avec Yoshi, ça peut surtout aller très vite. Ouais, bon, là, on voit qu'il creuse l'écart, clairement. Le backer qui ne sera pas sur le sweet spot. En fait, si, ça sera... en fait c'était sur le sweet spot, mais. Et en fait, le double jump de Yoshi a une particularité spéciale. Que, il a de la super armor au début, et puis il y a ses knockbacks qui sont divisés par deux, ou qui sont divisés par quatre, je sais plus quand. Comment? Oh, c'est bien, même le côté. Le drag-down. Peut-être un deuxième pair. On l'a dit, hein, oui. Le pourcentage monte très vite. Il était juste à 30, je crois, ou 30 ou 50. Ouais, il là, à 86, ça fait ouais, mal. À 86, mais attention, la petite peut prendre la stock, tout comme la dash attack, ou même. Ouf, par rapport à... Ah, et voilà le upper qui tuera. Bien vu, en tout cas, belle catch aérienne en tout cas. Au backer. Tundi qui va le chercher loin. Il a toutes ses raisons d'aller chercher loin. Wolf en footage, c'est Eclipse. Il a beaucoup de mal en footage. Ah, clairement, il a pas de bonne recovery en vrai. Non, clairement pas. Les recovery sont passables, on va dire ça. Mais ça veut pas dire que son neutral est nul. C'est dégueu, ouais, clairement pas. Le backer. 50%, il revient sur le terrain, un fer qui sera trouvé, bien joué, le fer. Là, il met de la pression sur le pauvre œuf. Bah, en fait, il faut mettre la pression sur Yoshi, en fait. C'est ça. Et Yoshi a aussi une particularité sur son shield, c'est que son shield ne peut pas être shield poke. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est-à-dire qu'il peut rester. C'est-à-dire que le shield de Yoshi est très bon. Et il faut faire quand même attention. Après, j'ai l'impression que c'est aussi dur que ce soit pour le Yoshi ou pour l'autre, de savoir qu'on sait que ça va bientôt casser. C'est ça. Ah, le mash. Ouais, mash très effectif, il a réussi à s'en sortir. Heureusement pour lui, après tout, il faut mash quand vous faites avoir par ça. C'est ça, clairement. Et heureusement aussi que la gravité de Wolf n'était pas aussi intense. Le backer, mais là, gros avantage pour Zeno. Donc pour ceux qui veulent savoir, quand vous faites avoir par neutral B, ça dépend de à quel point il y a la gravité de... À quel point vous tombez au sol, en fait. À telle vitesse vous tombez au sol. Jamais, par exemple, avec Wolf, vous tombez assez lentement. L'œuf va tomber lentement, en fait. D'accord, donc ça dépend de la gravité de quand tu t'es bougé. Exactement, c'est-à-dire par exemple que si Fox se fait avoir, il va tomber très vite. Une brique. C'est carrément une brique. Oh, c'est horrible ça. Donc l'œuf smash qui est peut-être. Il sera puni par le grab. Ouais, heureusement que c'est le grab. Les pourcentages, là clairement, qui s'est montré très vite, il avait un avantage, mais il vient de le perdre. En tout cas, le père qui était très bonne idée, par contre, le up smash, un auto chill, bien entendu. Bien joué. Qui va être bien sorti de la part de Zeno qui prend la première stock. Bien joué de sa part, clairement, l'aspirateur qui a fait son travail. Encore, c'est pas vraiment aspirer quoi. C'est vrai. C'était un très bon tir, très bon tir. Clairement. C'est dommage. Ah, c'est dommage pour Tundi. Ah, faut se mettre des buffs et repartir. Mais faut pas oublier que ça reste un best of 5. Best of 5. Ouais, oh. Un best of 5, donc ce n'est que le début. C'est n'est que le début. Ouais, on va voir des matchs. On va voir, hein, là, clairement. Tundi peut se mettre des petites buffs, se réveiller, partir en mode Super Saiyan. Tundi peut avoir les outils pour prendre la prochaine game. Clairement, on l'a bien vu. Il a tous les outils, il a pu lui montrer dès la game 1 ce qu'il savait faire. Ça. Et surtout, en plus derrière, c'est clairement, il a toutes ses chances, ou juste qu'il s'adapte, qu'il fasse attention à ces trucs. Et justement, attention au auto shield. Là, même s'il fait un. C'était son backer qu'il a fait in. Ah, ça aspire. Ça va l'attraper et du coup le tuer, vu que c'est un très bon upper. En effet. Donc là, faut qu'il fasse juste attention à ça, mais je pense derrière qu'il est capable de largement le foutre plein la gueule. Bah, en fait, de toute façon, les deux joueurs vont s'en foutre plein la gueule. Ça sort en robe cette fois. Le fameux robe de Zeno, hein, vraiment. C'est donc le fameux robe.
C'est clairement. Il a un robe. Il a un robe. Il va pouvoir enfin prouver. Il va pouvoir enfin prouver au monde à quel point il s'est fait carry par Rob. Ah, clairement là pour l'instant on le voit. Oh la vache. Présente, mais easy, ouais. Lui met la fessée. Après là c'est vraiment un matchup qui est assez bizarre parce que c'est surtout un choix de nous qui est assez bizarre parce que. Quoi? En fait, Yoshi peut sortir du 0 to death avec un double jump, je crois. Ah oui, grâce à l'armure. Si je me trompe pas. Ouais. C'est surtout que Rob va pouvoir se faire juggle assez fort par Yoshi. Et aussi vu que Yoshi a des derrière un peu plus rapide. Ouh, bah, ça peut être assez intense. Oh le fait énorme. Oh, bah parce qu'il est gros en fait. C'est ça. Le bon backer. Faut pas oublier que quand même Rob reste un personnage plutôt lourd. Ouf. Bon repère bien trouvé. Une fois que les bras de Rob devant le repère est intangible. Sérieusement? Sérieusement. Oh là là. C'est-à-dire qu'il peut librement faire repère sans qu'il y ait de risque. Ouh, bien joué là le spacing qui ne sera qui permettra d'être pas puni par le match. Hein. Là, mais faut pas oublier que le Rob de Zeno reste un très 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 bon Rob. On est en effet chill. Ah bah clairement là. Un duel laser bien pour dire dégâts du style, de dégâts du. Oh la vache, le up smash qui aurait pu en voler finir la première stock. Ouais, et très, le très bonne tech chase. Très très bonne tech chase de la part de Sir Tomji qui cache un camouflage. Très bien joué, le laser qui va enlever le saut. Sinon, il avait encore le saut. Ouais. Oh, ah, bien sûr, là Tomji a pas eu la mauvaise idée d'atterrir sur Rob. Et bien sûr, Rob, un up smash, hein, voilà. Ah bah là, il n'y avait pas d'armure, il n'y avait rien. Monsieur, c'est gratuit. Il va falloir apprendre à. Ouh. De la précédente game, à tel point le. À tel point le Zeno est très fort à cache en entier. D'accord. Ah là en plus on a pu voir là, un magnifique combo de sa part. C'était faire. Ouais. Je dois avouer que je m'attendais pas à ça. Bah Rob a des combos assez surprenants. Ah. On verrait pas du personnage de Rob mais pourtant. Ouh. Comme dit précédemment, Super Armor. Oulala le backer. Oh non, dommage. En fait, si tu avais pas une idée, en fait, le backer a bouffé le double jump de Yoshi. Mais vu que Yoshi avait encore son armor entre guillemets, ben en fait, ça c'est comme si je prenais un petit jab. Oh non. Ouais, c'est réduction de knockback, voilà. Merci. La réduction de knockback du coup qui a fait mal. Qui a fait très mal. Oulala, le fort. La vengeance, la remontada. 40%, clairement, il avait un très mauvais. Enfin, là, il y avait beaucoup de retard, mais là, il le rattrape. Bon, je dis ça, mais 69%. Ah, non, c'est marrant, c'était un petit snipe. Ah, il y a un petit snipe. Zeno qui a bien utilisé le gyro. Bon, juste au moment où son WLM a soit commencé, soit débuté. Et je pense qu'il a fini plutôt. Donc, c'est au moment où il a fini, il a jeté le gyro. Et Yoshi était bien trop loin du ledge et il avait aucune option. C'était dommage. En tout cas, Zeno qui a bien utilisé a bien utilisé tout ça. Et ça va directement changer de personnage et ça va aller sur. Zeno qui part cette fois sur. Ose jouer Mewtwo, hein. Ose-le. Ou Samus. Samus, pourquoi pas. Okay. Aïe aïe aïe. Je pense que Zeno est sur une phase de. Je pense qu'il y a une raison de pourquoi il joue autant de personnages. C'est surtout pour entraîner son Fondamoto. Si on a pas fact, de fact, jouer d'autres personnages que ton main peut entraîner les fondamentaux en fonction de ce qu'il y a et aussi apprendre aussi des matchups. Voire jouer un personnage dont tu as du mal permettra de comprendre comment jouer contre le personnage et voir tes faiblesses. Hein. D'ailleurs, justement, il y a un switch de personnage des deux côtés. Donc, c'est un wolf contre une Samus. Samus sombre, Tomzy qui décide de sortir son wolf. Ça peut être une bonne idée. Mais bien sûr, le combo upper into. C'est un combo qui est assez relativement basique du côté de. Ça donne les pourcentages, hein. Mais on voit frapper très rapidement par justement Tomzy. Ouais, on voit que ça castagne très fort. Ok, oui, un peu dodge. J'ai vu un cancel de side B. C'est moi. Je pense pas, attention. Ouais, c'est bon, il revient. Ça va, il revient tranquillement. Left trap de Zeno avec Samus, c'est pas très avancé de ce que je peux voir, mais il faut pas voir ça en premier coup d'œil. C'est ça. Faut voir ça avec les autres. Les pourcentages sont le même. La petite bombe qui va faire chier. Pour voir Smash. Il y a le Wolf de Tundix qui pour l'instant a l'air de faire plutôt du bon boulot. Ah, clairement, hein. Le backer. Le backer qui sera malheureusement pas un sweet spot comme il le voulait, je pense. Ah, clairement pas. Voilà. Ah non, Samus c'est lourd, c'est vrai, dans tous les cas. De toute façon, c'est lourd, Samus et Dark Samus. De toute façon, pas d'intro. Je pense qu'il voulait aller plutôt pour une intro, mais heureusement qu'il y avait la plateforme qui évitera. Prendre un gros charshot, et là ça tuera. Bien entendu, ça tuera à 133%, normal. Donc, oh non, le grab qui touche au bout. Le grab de Samus. La pression qui est mise avec les fers. En fait, là, ce qu'il utilise, le backer. Le backer.
qui utilise Zeno, c'est vraiment. En fait, il cancel instantanément le charge shot pour justement bait en fait. Parce qu'il peut utiliser à n'importe quel moment. Mm-hmm. Et il bait un shield pour conditionner l'adversaire à shield et après en lancer son standard. Et du coup, pouvoir profiter pour leur en mettre plein la gueule. Ah, le grab qui sera raté. Ouh! Il y a encore le saut. Encore le saut, heureusement. Et le TB même qui touchera pas comme il voulait, je pense, Zeno. Backer. On voit les pourcentages qui montent. Ah, le Zer qui protégera du coup. Bien joué. Ouais, la dash attaque. Bien vu. Là, ça va le saut qui vient d'être brûlé. Ah, bien vu. La bombe. Ah, la bombe, le lash trap qui sera bien utilisé encore une fois avec la petite bombe. Ah, et là, le combo. Le petit combo, malheureusement, ça va pas. Ah, ça s'est pas puni. En fait, c'est dû à la. Ça dépend de la DI ou plutôt de la SDI de l'adversaire pour voir si le EB fonctionnera à la fin. Oh, ah, dommage. Là, je pense que ça aurait été mieux, peut-être autre chose. Bon, ça commence à marcher. Oula, là, c'est pas mal finir. Si la petite aurait touché, ça aurait été une fin de game instantanément. Clairement. Mais après, comme Tunzi nous a montré que même s'il avait beaucoup de retard, il pouvait rattraper. Clairement. Donc, il y a toujours espoir. Oui, il y a clairement toujours de l'espoir. Ah ouais, le backer, évidemment. Je pense que c'était la stock que Toddy voulait absolument faire perdre à Zeno. Il peut. Ouf! C'est bien trop. Oh, bonne DI. Hein. Parce que là, il allait prendre le fer. Le grab qui va si loin. Il y a là Zeno qui va essayer de trouver un conditionnement pour trouver un des skill moves favori, que ce soit le charge shot. Oh, bien joué, le contre. Il permettra de respirer un petit peu. Ouf, la dash attaque. Non, le grab! Le grab qui le met dans le caca. Ouh, bien joué. Heureusement que Sabé était très bien utilisé. Là, il pense qu'il voulait faire un backer, clairement. Un air. Là, non! Je pense que chaque nerf était possiblement un backer. C'est ça. Et c'est dommage, à la fin, on a vu le grab, mais sa dash attack. La dash attack a été clairement plus rapide, et bien sûr. Je sais pas si c'est une question de rapidité ou si la hitbox du grab était déjà finie. En fait, de toute façon, c'est comme un pierre facile, l'attaque, le grab.